Yo, j'ai cru que j'étais grave en retard. Hey, salut. Ça va, baby girl? Ça va et toi? Salut. Ouais, attends, je vais me changer vite fait. Ouais, moi aussi, j'y vais vite fait. Bonsoir tout le monde. Salut. Comment allez-vous en ce beau lundi? Ouah, putain, je parlais, mais je parlais pas vraiment, c'était bizarre. Ça va ou quoi? Oh, ça va et vous? Ouais, carré de fou. Ça dit quoi? Ça a bien dormi? Pas trop fatigué? Ah, je sais pas, on va voyager ou quoi aujourd'hui d'après toi? Non, je pense pas. Ah tiens, et tu sais quoi? Viens voir mon petit Kevin. Ouais, c'est pas toi, putain de merde, c'est le mec de ta classe. Viens voir mon petit. Ouais, mais tu vois, Kevin, clitoris, c'est pareil. Vas-y, viens. Bon. Divor, t'as des petites infos ou pas en vrai de vrai? Vu qu'on avait dit que maintenant on allait se parler, t'as vu, ça sert à rien les guerres, toutes ces conneries là, maintenant faut... Je pense qu'on est arrivé à un stade où vas-y, faut partager, tu vois. Ah mais moi je partage avec tout le monde. Ah mais moi aussi, c'est pour ça. Non, bon, on m'a dit quoi hier? On m'a dit que maintenant les bleus, vous étiez full avec les rouges. Hein? Non mais attends, c'est... Hey, tu m'as vu hier tabasser de rouges ou c'est comment? Bah non, justement, mais après moi, comme dit, je m'en fiche, moi dans tous les cas. Ah non, mais les rouges, on les baisse matin, midi et soir, faut le savoir, hein, mon ref. Hein. Là, tu sais comment avec Brandon, toi, là? Bah Brandon, par contre, ça va, c'est bizarre, mais je crois que, moi, je vais te dire, ça reste entre toi et moi, je crois qu'il s'est fait trahir par les rouges, tu vois ou quoi? Et il est il est revenu vers nous de lui-même, tu vois ou quoi? Il vous a confié quoi? Je te dis si c'est vrai ou pas. Bah il nous a pas confié, bah sincère... Écoute, mon Clétus, vas-y, je vais te dire la vérité. Si on veut, là, on est nerfé, tu vois ou pas? Genre, si on veut, on a fini le jeu, tu vois ou pas? On a clôturé le game, comme on dit, tu vois, dans la street. Bah, oui et non. Parce que je pense que vous pensez, parce que on va parler en énigme, là. Vas-y. En fait, je pense que vous avez... je sais que Brandon, je sais ce qu'il a, d'accord? Bah vas-y, tu peux le dire, carré. Non, parce que je sais pas encore si je peux le dire. Mais Clétus... Parce que, non mais on peut jouer au truc de prêcher le vrai pour le faux pour avoir... Non, moi y'a pas de ça, justement. Moi Clétus, je te jure que tu me balances la vérité, je te balance la vérité, y'a pas de galère. Moi, j'ai aussi en ma possession des objets importants qui sont similaires aux siens, pour ne pas dire les mêmes. Mais tu parles du pied de biche. On s'en bat les couilles, mais dis-le, t'en as combien? Un. Mais voilà, nous on a... Tu multiplies. Je sais. Voilà, sais que vous en avez beaucoup, carré. 3, 4. Hé, si je te dis, si on veut, on finit le jeu. Y'a pas... En fait, justement, tu sais pourquoi moi... Vas-y, dis-moi. Parce que moi, je pense que le vrai... ce qu'on doit vraiment faire... Moi, je te le dis, Clétus, ce qu'on doit faire, c'est qu'on soit tous ensemble. Y'a pas... Voilà, carré. Exactement. Voilà, bah voilà, Clétus. Mon petite fleur des îles. Ça va ou quoi, maintenant? Hey, Kirby, la vie de ma mère, quand tu viens dans une conversation, c'est un truc de fou, comment tu coupes tout. Désolé. Non, mais vas-y, installe-toi. Non, mais bien sûr. Bonjour, Clétus. Bien sûr, installe-toi. Salut, Kirby, ça va? Prends tes aises, mais ferme ta gueule, putain, je t'en supplie. Mais je réponds à Clétus. Ouais, c'est carré, c'est carré. Je parle avec les tues. Non, tu vois, et je pense que Nova et Kirby ici présents seront d'accord pour nous dire que je pense que de toute façon, à la fin, on doit tous être ensemble. Tous les classes, tous les élèves. Bien sûr que oui, carré. Parlons le bon américain. Bah oui. Vous savez très bien avec ce qu'on doit faire avec les pieds de biche. On en a tous chacun, d'accord? On en a tous. Nous, on en a, vous en avez beaucoup en plus. Vous savez très bien ce qu'il faut soulever carré. Avec les pieds de biche. Et je pense qu'il faut un par couleur pour soulever ces pieds de biche, ce truc-là. Ah ouais, tu penses? Je pense. Tu sais pourquoi je te dis ça? Oui, les quatre. Parce que nous... Vas-y, carré. Bah, il y a les quatre symboles. Ouais. Et par rapport à l'enquête qu'on mène avec sur le prof de théâtre, tout laisse à penser qu'il faut que les élèves soient dans l'unité. Le problème, c'est que voilà. Je suis d'accord, hier, carré. On l'a trouvé hier, on est rentré dans le bureau du Girlo. On a trouvé un Pokémon Levenard. Mais non, et ça a fait quoi? Yellow, elle a dit à Amine, il a pouqué au directeur, le directeur a donné le Levenard à Amine. Va savoir pourquoi. Il y a un problème avec les rouges, je comprends pas comment il récupère tout. Attends Clétus, faut que je te dise ce qu'on a découvert. Ouais, nous on va tout dire, ouais. Tu vois, nous on dit tout Clétus, hier, on s'en bat hier les couilles. Hier le prof de théâtre, je sais pas pourquoi, il est venu me parler, il m'a dit qu'apparemment les rouges...
Oh, Amine. Moi, je voulais être... Attends. Vas-y, parle. On est dans un moment émotion. Je parle avec mon ami Billy Crawford. Steven Seagal et Barba Papa, calmez-vous là, deux minutes là. Mon ami Billy Crawford. Oh, Steven Seagal, faut qu'on se parle après, vite fait. Toi et tes Carrera. Ouais. Allez, toi avec tes petites Carrera là. Allez. Vas-y, toi et ta serpillère sur ton crâne là, y'a pas de galère. Vas-y, on se parle tout à l'heure. Carré. Ta grand-mère. Bon. Elle est morte, sale chien. Les bleus et l'eau. Tiens, tu vois, voilà, tu vois. Avec un carapuce. Ouais. Les rouges, le feu. Vous, soit l'air, soit la terre. Ouais. Donc, tu vois, les verts, c'est sûrement la terre. Vous, c'est l'air, je pense. Amine, c'est un trou de balle. Là, il est en train de vriller les verts contre nous, encore une fois. Tu vois, je viens d'y aller. Non, mais en fait, les verts. Il est détestable, ce bâtard, avec sa queue de cheval de salope. Pardon, excusez-moi. Il est contre nous. Pourquoi? Va lui demander, vas-y, Nova. Va lui demander, Nova. En fait, je vous explique. Vous êtes tombé dans son piège. Les premiers jours, vous avez joué son jeu, tu vois. Et là, il est en train de faire la même chose. Mais non, on n'a jamais. Mais on n'a jamais joué à son jeu. Carrément. Écoute, c'est la première fois qu'on a été confronté à lui, c'était hier. Mais ok, mais c'est tout. En tout cas, moi je vous le dis, parce que même Brandon, il a fait au Japon. Moi je vous le dis, avec Brandon, on a fait le rituel de Lin Lin, etc. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Si, parce que Brandon. Mais t'es au courant comment? Parce que Brandon, il nous l'a dit en fait. Mais vous écoutez, c'est un truc. Ah bon, il me l'a dit. Vous écoutez, mais Brandon, vous entendez pas, vous, c'est un truc de fou. Brandon nous a dit qu'il cherchait à faire un rituel et qu'il voulait faire un oui. Avec les sangs, ouais, avec les sangs. Oui, mais là, avec les sangs. Je vous explique en fait. On l'a fait ce rituel, d'accord. Ah ouais. Le fantôme est pas apparu tout de suite. Il est apparu après dans le dortoir. Et il nous a rien dit spécial. Tu vois, vraiment rien de spécial. Mais par contre, le livre qu'il a, du coup, c'est le livre qui mène à tous les indices. Là, je mens en fait. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Je sais pas combien de pieds de biche, tu vois. Parce que j'étais pas au courant du. De ce que tu m'as dit, du coup, vous en avez assez. Carré. Pour ouvrir tout seul, entre guillemets. Ouais. Mais comme elle a dit Nova, et nous, on a eu la même réflexion par rapport aux quatre trucs. Par rapport aux symboles, par rapport aux couleurs, etc., il en faut quatre. Et ouais, comme elle a dit Kirby, le prof de théâtre, il est à fond sur le délire des rouges. Moi, Nova, je t'avais parlé de la figurine avec le loup-garou en rouge que j'avais vu, et le levénard qu'on a trouvé avec Bobby, il sert à contrer les loups-garous. C'est le prof d'SVT qui nous l'a dit. C'est un anti-loup-garou. C'est un porte-chance contre les loups-garous. C'est quoi, le levénard? Le levénard, c'est Amine qui l'a récupéré. Oubliez pas ce qu'on a vu, hein. Oubliez pas ce qu'on a vu, hein. C'est bizarre. Attends. Parce qu'il a racketté. En fait, il a balancé Bobby, qu'il avait un levénard. Le directeur a confisqué le levénard de Bobby. Et par miracle, il a fini dans les mains de Amine. Donc, soit le directeur et Amine sont de mèche, ce qui n'est pas impossible. Clitus, faut que tu fasses un truc important pour nous, je te le dis. Avec tout ce qu'on se dit et tout, il faut que tu arrives à convaincre les verts que c'est pas nous les salopes, mais c'est les rouges. Les verts, ils écoutent trop Amine. Ils détestent parce qu'en fait, je leur prends Bobby. Mais c'est comme. C'est un truc de fou. Mais justement, Bobby. Ça va les jeunes? Yo, ça va ou quoi? Carré, toi. Tant mieux d'attaque pour la nouvelle journée. Ouais, on voyage. Fort d'attaque. Je sais pas du tout. Excusez-moi, vous savez où est le professeur de Zik ou pas? Faut que je lui parle en 2-2. Je sais pas du tout. Carré. Vous pouvez lui dire que Kirby doit lui parler vite fait, si vous le trouvez. Ouais, si je le croise entre temps, je lui dis. C'est important. N'oubliez pas, lui, faut le pousser d'un toit, n'oubliez pas. T'inquiète, j'ai pas oublié. Comme je fais confiance quasiment qu'à Bobby et deux de ma classe. Bah comme je le prends souvent au vert et qu'il est souvent avec nous, bah du coup les verts ils détestent moi et Bobby quoi, tu vois. Ah. Mais sauf que le pire, ils détestent Bobby. Mais les verts je les ai. Nova. Roumains, mais bon. Nova. Ouais. Y a voir deux minutes. Et y a... Non bah attends, je vais le dire devant eux parce qu'il y a pas de cachotterie. Comme tu pas si tu parles. Nova. Nova, je sais que toi tu serais capable d'écarter Amine. Faudrait qu'on lui parle toi et moi juste lui, mais genre calme. Pour essayer de le raisonner là, ce bâtard. Mais comment tu veux qu'on le raisonne? Hier on l'a tabassé, on a essayé de lui couper les cheveux. Non, je l'ai tabassé, oui, moi je l'ai tabassé. Mais nous aussi on l'a tabassé avec les verres. Ouais mais Nova, je sais qu'avec tes talents et tes yeux roses, sa mère, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de fou. Oui, ils sont roses. Bah ouais, je sais que tu peux. Je sais que tu peux les capter. D'ailleurs, je fais des bruits de pélican, cousin. Écoutez. T'es fou. T'as vu, t'as kiffé ou quoi? Écoutez. Tellement. Hier, quand on était en cours de théâtre, oubliez pas où on a été téléporté, sa mère, soi-disant que c'était du virtuel et tout, hein. Souvenez-vous dans le couloir ce qu'on avait vu, hein, le lican. Avec le monstre. Ouais. Avec le monstre. Voilà.
Hey. Attends, mais oublie pas que le prof, il voulait récupérer ma pépite, lui aussi, en plus. Bah ouais, ça, voilà. Ma pépite, c'est okay. La clé, apparemment. Ouais, attendez, il paraît que c'est la clé de tout. Peut-être vous l'avez vu aussi, Suzy, dans une... parce que Suzy, elle traîne beaucoup avec le prof de théâtre exprès, tu vois. Ouais. Dans une des notes qu'elle a trouvées, peut-être que vous l'avez eu aussi, mais dans une des notes qu'elle a trouvées, un ancien élève disait d'avoir peur du prof de théâtre. Mais peur, vraiment peur, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ah bon? Donc, ouais, et. Mais je te dis, il m'a dit. Attends, elle m'a dit un truc de fou. Manigancante, je te l'ai dit la dernière fois. Attendez, il m'a dit un truc de fou. Il m'a dit qu'il avait plus de 2000 ans. Et après, quand je dis comment ça, il m'a dit non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Comme moi, quand je dis que je connais tout pas, c'est enfin, non, je connais tout pas et tout. Ouais, il a dit. C'est vrai qu'il a fait plusieurs fois l'erreur. Et oubliez pas une chose, il veut surtout que personne n'aille à la bibliothèque la nuit. Jusqu'à présent, on a toujours désobéi, on y allait. Sauf que moi, j'ai un objet en ma possession. J'ai des lunettes thermiques, d'accord, pour voir des trucs avec la chaleur, donc des trucs secrets. Ça va ou quoi? Bah alors les filles, on n'attend pas Patrick, sa mère. Je te ferai, tu vois, Nova, attends, calme, et la vie de ma mère, arrête de rentrer comme si t'étais aux eaux de Beauval, toi. Quoi? C'est un truc, on n'entend que toi, à 4 km. T'as envie de me faire, hey, Nova. Ma petite fleur de Nil. Hey. Tu sais ce qui me rassure chez toi, Nova? Je vais te calmer. Dis-moi, Bata. C'est que, écoute-moi bien, Bata. C'est que je te ferai toujours rire, tu vois, et ça me va. Après, je suis le public le plus facile du monde aussi, tu me dis. Bah vas-y, dis que je suis pas drôle. Bah si, t'es drôle. Mais si, t'es drôle. Voilà, t'es voilà, drôle. Voilà, j'étais à deux doigts d'aller prendre. Mais tu sais que t'es drôle. Une belle t'es toujours là en train queue, de parler tout le monde. Je sais plus ce qu'on dit. Ouais, Clitos, tu parlais de lunettes à vision nocturne. C'est rien, t'es tombé dans les pommes devant nous. Ouais, Clito, ouais. Ah, mais vous avez, vous êtes pas tombé dans les pommes? Bah, vas-y. Si, man, un petit tu peu. Tu poses trop de questions, Clito. Oui, du coup, je les ai essayés dans les backrooms, ça a rien donné. Carré. Mais, à mon avis, dans la bibliothèque ou dans la pièce secrète à l'étage de chimie, peut-être que je peux voir à travers. Tu vois. Carré. Et d'ailleurs. Mais pour ça, il faut couper le courant et je vais m'en occuper ce d'ailleurs, soir. D'ailleurs, Clito. Et... Ah oui, attends, bah oui, c'est logique. Quoi? Premier récré, j'ai rendez-vous avec le concierge chez lui. Faudra couper le courant. Pour qu'il me parle de ma pépite. Et attends. Je pourrais couper le courant. Attendez, à ce moment-là. Attendez. La vie de ma mère, tu vas attendre toi, bâtard. Eh, hey, Clito. Ouais, mais attends, juste. Le problème, c'est la première. On fait quoi du boîtier là? Juste, il fait jour, vas-y. Oui. Mais Mais les gars, ce boîtier, faut l'utiliser. Hein. Oui, faut l'utiliser. Pense, à mon avis, oui, mais je pense. Est-ce que notre boîtier, il ouvre pas la porte du concierge? Mais non, justement, qui c'est qui disait hier qu'apparemment, ça pourrait être bien pour pirater l'ordinateur? Voilà. L'ordi du proviseur. Voilà. Tu vois, quand tu réfléchis, Kirby, ta teuté est gonfle de fou. Mais non, c'est comme quelqu'un l'a dit hier, je sais plus qui c'est. Mais attendez, vous avez. Il a eu des petits crochetages, il les a eu comment? Moi aussi j'en ai. T'en as eu comment? Mais moi je les ai utilisés, je les ai trouvés au Japon. Au Japon, dans la bibliothèque, j'en ai trouvé plein. Enfin, on en a trouvé. Ah, trois, c'est vous qui avez tout pris, putain. Ouais, je cherchais, bah ouais. Et Brandon aussi a tout pris aussi. Quoi? Brandon, il en a. Il a trouvé. Oui, quoi? Il en a, Brandon. On a ouvert la porte du directeur avec hier. Ouais, putain. Nous aussi. Mais on a pris ce qu'il y avait dans le directeur. Bah, c'est là où on a trouvé le Levenard, justement. Ok, donc il faut qu'on utilise le boîtier de crochetage, le boîtier de piratage. Il faut qu'on utilise toi tes lunettes thermiques et qu'on coupe le courant pour toi. Donc mais quand la il nuit, fera nuit, quand il fera nuit, ouais. Bah ouais. Et je sais que, écoute bien Clito, nous on a la clé ultime, la pépite d'or. On a celle de pour le passage secret de la bibliothèque. Je peux pas t'en dire trop. On a aussi les pieds de biche, d'accord. Donc tout ça on a tranquille et on fera croquer. Après, vas-y, il va falloir convaincre Brandon qu'il fasse aussi croquer un peu, tu vois. Ça, c'est le problème. Eh, Brandon, grâce à nous, il a tout. Il fait rien croquer. Ça, c'est dangereux aussi. Hein. Écoute, moi, Brandon, je lui fais pas confiance. Après, là, il a pas eu le choix. En fait, je me suis un peu imposé dans sa vie. Parce que, comme une ex toxique, tu vois. C'est-à-dire que. T'es un daron ou quoi, cousin? En fait, pour le rituel. Merci, Nicovac, pour le 67e moment. Celle du Japon. Et c'est moi qui les avais trouvés. Ok, carré. Donc, il était obligé de le faire avec moi. Et depuis, il m'a confié qu'il avait deux pieds de biche. Je sais pas s'il en a plus, s'il en a moins, s'il ment ou pas. Il m'en a dit qu'il en avait deux. Hier, ah, t'as pas menti, je te le dis, t'as pas menti. Hier, moi, avec Bobby... Mais en fait, dans tous les cas, que... Enfin, franchement, je vous dis la vérité, hein. Tout ce qu'on me dit, j'y crois ou pas, enfin, je suis indifférent. Juste, non, mais... moi, je partage parce que je me dis c'est la clé, tu vois. Et moi, j'en ai un. Donc, dans ma tête, là, je me dis, il en manque peut-être un. Et je me dis, c'est peut-être les rouges. Parce que vu tout ce qu'il a à mine, peut-être qu'il a le dernier. Pour moi, si on est un minimum intelligent, ce soir, toutes les classes. Attendez, j'ai une autre info d'ailleurs. Il y en a un par classe qui prend un pied de biche. On soulève tous
ce putain de machin. On rentre dedans et on tabasse tout ce qui bouge. C'est des loups-garous, tu veux qu'on fasse quoi avec nos bras? Bah, on met Kirby devant parce qu'elle va te protéger parce que t'es sa belle. Attendez. Si j'ai mon bras, attends. Vous l'avez? Bah, c'était celui du Japon. Mais c'est Brandon qui l'a. Pourquoi il dit qu'il le cherche? C'est lui qui l'a. Attends, il dit qu'il cherche quoi? C'est lui qui l'a. Attends, il a quoi? Il a quoi? Non, il l'a pas. On parle de quoi là? Du livre rouge, parce qu'il y a un livre rouge qu'on a trouvé au Japon dans le deuxième passage secret. Je sais pas si vous avez vu les passages secrets au Japon. Oui. Moi j'en ai vu qu'un, celui du concierge. Voilà, il y avait celui de l'arcade et il y avait celui de la bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y avait un livre rouge épais qui était posé. C'est Brandon qui l'a récupéré et c'est grâce à ça qu'on a su tous les rituels, etc. Okay. etc. Ok, carré. Ah, donc il a. Bah, je sais pas si c'est le même ou s'il y a un autre livre encore, mais en tout cas, il a un livre. Je sais pas si vous l'a dit, mais il a un livre. Ok, vas-y. Mais il nous l'a pas dit ça. Non, ça bah, il nous l'a pas dit. C'est pour ça que Jordan, t'as l'air sûr que Brandon il est revenu vers vous, mais je te jure que non. C'est. En fait, les gars, on doit juste travailler tous ensemble en vrai. Je vais te le dire, moi je vais être carré de fou, Clito. Si jamais Brandon nous la met à l'envers, il va juste passer pour une gigantesque merde vis-à-vis de tout le monde. Ouais, c'est mais tout, hein. Le truc c'est que dans tous les cas, si il a la majorité des pieds de biche, enfin moi avec mon seul pied de biche, on va pas aller loin, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Mais hier il était prêt à le faire avec nous aussi, donc vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas que Brandon. Ouais, mais en fait, ce qui serait le plus safe entre guillemets, c'est que vous arriviez à lui récupérer et que comme ça il est obligé d'être. Je vais te dire un truc, Clito. Moi, ces pieds de biche, on s'en bat les couilles. La clé, c'est Nova qui l'a. Ouais, et Nova, écoutez-moi bien, regardez-moi dans les yeux tous. Tous. Regarde Kirby, regarde-moi dans les yeux. C'est bon. Tu me regardes juste dans les yeux. Voilà, tu vois pas. Bébé. Nova, je suis une grosse salope si elle nous trahit un jour. Voilà, c'est tout. Donc maintenant. Mais j'en ai avant de trahir. Calme-toi, bâtard. Quoi? Donc là, on a la clé, ça va bien se passer. Ok, c'est tout. Point. Quoi? Attendez, mais d'ailleurs, je viens de penser à un truc, j'ai une théorie. Ouais. Hier, en parlant avec le bibliothécaire, il m'a dit qu'une personne qui s'intéressait énormément au paranormal, mais qui cachait un petit peu ses airs et à l'ésotérique, c'est justement le concierge, donc Jeff. Ouais. Mais vous trouvez pas ça bizarre que Jeff s'intéresse autant au paranormal? On a toujours la vision de lui que c'est un gentil, qui se fait maltraiter par le proviseur. C'était un des premiers sur le lieu du crime où il y avait le bras. Pourquoi il cherche un livre? Peu importe ce qui se passe, je vous attends pour comment un démon. Imaginez, c'est lui le grand méchant en fait. C'est un démon dans le corps d'un humain. Et il cherche à se libérer ou un truc comme après, ça. Après, il a une tête démoniaque, hein, ce bâtard. Hein. En vrai, le concierge. Hein. Ah, il a l'odeur. Ça va ou quoi? Je t'avais dit, j'attendais comment? Ah ouais? Ma petite fleur des îles. Kirby. Ouais. Non, mais cale-toi pas comme ça face à moi. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Tu t'es pas lavé les chicots, c'est fait que tu t'es levé. Mais t'es un bâtard, non, mais tu sais que je t'aime, t'es mon petit malteser, Et je suis propre de ouf, moi, tu déconnes ou quoi? J'ai pas dit t'étais sale, tu vois, c'est ça. Tu vois, Kirby, toi, on te dit un, tu comprends deux, tu vois ou quoi? T'as dit que j'avais. J'ai pas dit ça. Kirby, mon petit bâtard, écoute-moi, s'il te plaît, vas-y, je t'en supplie. M'appelle pas mon petit bâtard. Mais parce que plus je t'appelle bâtard, plus je t'aime bien. Je vais t'appeler. Non, c'est faux. Bon, ma petite fleur d'oranger, voilà. Moi, c'est mieux ça. Voilà, calme-toi, mon petit malteser. Quoi? Mon petit malteser. Ça me va aussi. Voilà, mon petit dragibus. Ouais. Mon petit skittles. Ah ouais, ton petit skittles. Voilà. C'est mime ça. Allez, c'est pas un Pokémon non plus. Attends, laisse. C'est pas un petit Pokémon trop mignon, genre. Il est parti tellement vite, clitoris. Ouais. Bon, ok. Eh, par contre, on a des infos là sur des lunettes et tout, vision thermique, mais en fait. Et donc, le Amine, il a un levé nain. Faut qu'on arrive à parler à Amine, mais il a l'air débile. Hein. Il a l'air débile. C'est vrai que. Non, c'est un truc de ça fou. Ça va être compliqué. Avec sa queue de cheval compliqué. De salope. Vas-y, attends. Moi, tu sais ce que je pense qu'on devrait faire, tu vois, la petite Yellow là. Elle a l'air d'en savoir des choses. Non, mais elle se fout de la gueule. Elle nous a foutu sur la gueule. Elle se fout de la gueule de tout le monde. Mais bien sûr, j'ai envie de la soulever, moi. Moi, je veux la soulever, hein, Jordan. Oui, bah j'ai compris, cousine. Et en plus, ça ferait plaisir à Baby Girl, elle la déteste. Faut qu'on arrive à parler à Amine, mais faut qu'il soit conscient qu'il est teubé, t'as vu? Mais man, ça va être compliqué, mais attends, mais à tout moment, c'est un loup, la vie de ma mère. Ouais, c'est pas con, ça. Hein. Bah ouais, man. En même temps, il a alors, les cheveux bon, gris. Bon, vas-y. Mais attends, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, il a les cheveux gris. Mais quand il est arrivé, il avait les cheveux noirs, non? Ouais. Oh man. Ah ouais, mais ça veut dire qu'est-ce quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une teinture, cousine.
Moi, regarde, toi, t'as raison. Toi, t'as les cheveux roses, c'est... Eh, vas-y. On commence à délirer. C'est pas un loup. La vie de ma mère, c'est pas un loup. Bah, je crois pas. Putain, on va savoir. Ça se trouve, c'est un putain de loup. Mais non, mais il est galbé comme une salope. Il peut pas être loup. Va savoir. Putain, vas-y, y'a Bobby. Eh, Bobby, il sait des choses ou pas, ce bâtard? J'en sais rien, man. Inexistant pour Juan. Eh Bobby. On te parle plus, Bobby. Bobby, je peux te parler. Bobby, je peux te parler deux minutes, Bobby. C'était un proc, je rigole. Mais c'était un proc. Eh Bobby, je peux te parler deux minutes. Ouais. Viens voir deux minutes, vraiment. Tu les parles d'abord. Vas-y, excuse-moi d'aller à l'écart parce que t'as vu là-bas, ça parle de tous les côtés. Eh Bobby, écoute, je sincèrement. T'as vu, toi et moi, on a eu plutôt des bonnes expériences. Bonnes expériences. Non, mais arrête, Bobby. Expériences. Bobby, s'il te plaît. Non, mais à la fête foraine et tout, t'as vu, je t'ai aidé. Oui, c'est vrai. Voilà, vrai. Moi, mon seul but, Bobby, je vais pas vous te mytho. Ici, ou pas, bien ou... sûr, Brandon, mais bien sûr, tu peux venir. Ça va, Brandon. Ça va, tranquille. Moi, les gars, je vais pas vous mytho. D'accord. Le Amine, là, je sais pas ce qu'il cache. Ça se trouve, même lui, c'est un loup-garou, ce bâtard. Je sais pas, mais avec sa tête de fiente, là. Mais vous aussi, vous croyez à cette théorie de loup-garou, là? Non, écoute, s'il te plaît, Bobby, écoute, je t'en supplie. Je t'en supplie, j'ai envie de te faire ta tête au carré qui est déjà carré. Elle est anguleuse, ta tête. Écoute-moi. Viens, on travaille tous. Excuse-moi, des fois, je m'emporte, t'as vu? Viens, on travaille tous ensemble, mais tous, réels. Je pense qu'il faut faire ça. Faire quoi? Bah, travailler ensemble, Brandon, t'as vu? Mais travailler ensemble, pourquoi? Non, mais là, moi, je suis chaud, mais regarde. C'est quoi, déjà, convainc ton pote de travailler ensemble parce que lui, il a pas l'air, d'accord. Non, mais Brandon, c'est quelqu'un, il est sensible. Lui, c'est il a ce côté japonais. Il y a que nous qui pouvons lui parler, tu vois. Bobby, ferme ta gueule, je viens de te dire. Il y a que nous qui pouvons lui parler, tu vois ou pas? Ça va, ok, je parle. Non, bah vas-y, Bobby, parle. Brandon, t'es un mec sensible. On est dans la merde. Tout le monde est sensible. Pourquoi on est dans la merde? Parce que tu le détestes, Brandon. Qui? Quoi? Tu me détestes? Non, j'en ai rien à foutre de Bobby, moi. Bah voilà. Je le déteste pas. Il en a rien à foutre, ça veut pas dire qu'il me déteste. Donc est-ce qu'on est? S'il meurt demain, c'est pas mon problème, quoi. Voilà. Mais s'il vit demain, réciproquement. Voilà. Mais s'il vit demain, c'est pas mon problème non plus. Carré. Oui, bah ça va pas être heureux ni malheureux. On a compris, Brandon. Alors que Jordan. Non, mais moi. De quoi? S'il meurt demain, c'est la fête à la villa. Ah, carrément, t'es comme As. Vas-y, Brandon, carré, y'a pas de galère. C'est une petite fête, c'est tout. Y'a pas de galère, vas-y, fais une petite fête. Salut. Enfin, salut. Du coup. Coucou. Et salut. Eh, franchement, Brandon, je vais te dire la vérité, Brandon, je te dis la vérité. Ouais. Avec ta tête de ballon de baudruche, je te jure que je te kiffe. Mais frère, t'es le plus moche du lycée, à chaque fois tu parles de la tête. Frérot, écoute-moi. Non, mais écoute-moi. Oh, la quille, la quille qui a là-bas la tête de ma mère, tu lui arrives même pas au niveau. À 17 ans. Mais je viens de te dire que je t'aime bien quand même, tranquille. C'est vrai que t'as les carrières à Dwagby, faut le dire. Mais oh, les gars, oh les bâtards, je vais les enlever tout de suite, bande de bâtards. Non mais c'est vrai. Vas-y, c'est bon, vas-y. Hey, par contre, je vais te dire un truc, je te le dis, Brandon, moi je t'aime bien de fou, je vais pas mytho. Je sais que tu peux nous la mettre à l'envers, je sais que tu nous aimes pas, t'en bats les couilles, blablabla. Bla, bla, non, bla, mais j'aime pas personne, j'aime personne. Ouais, Brandon, t'aimes pas ta propre classe. On l'a. Bah, c'est pas ma famille non plus. Toi, t'es vraiment. Mais. Et toi, j'ai une question de poser, Bobby. Est-ce que t'aimes ta meuf ou pas? Nova, c'est-à-dire comment ça? Tu vas aimer des gens parce qu'ils sont dans ta classe, c'est ça? Parce qu'ils ont juste le même uniforme. Tu sais que ça a été choisi aléatoirement, t'aurais pu être avec d'autres personnes que tu détestes aujourd'hui. Donc ça n'a pas de sens d'aimer des gens de ta classe. Bah oui, mais tu passes du temps avec eux. Vas-y. Et bon, vous voyez, c'est ça votre problème. C'est que dès qu'on va commencer à parler amitié et tout, ça mène à rien avec Brandon. C'est... voilà, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais ça. Si c'est que mais du Brandon, moi. En fait, travaillez Brandon, apprenez-le à aimer des gens là. Mais non, mais Brandon, il a pas de cœur. En fait, vous explique. Bien sûr qu'il a pas de cœur. Vous connaissez pas d'alliance. C'est comme un rocher, genre quand tu le vois, il est fade, mais en fait dedans il y a des belles pierres précieuses. Non, il y a rien du tout. Il y a un couple entre Nova et Brandon. Mais n'importe quoi, on est partenaires, c'est tout. Putain. Moi, c'est ça. Merci, Roquette du 18 et pour en plus, le troisième. J'ai un mec qui sait que je veux le quitter, il me parle même pas. Et quand je demande s'il m'aime bien, il me répond même pas non plus. Donc bon. Ah. Bah après, on t'a pas demandé de raconter tes problèmes de couple non plus. Tu vois, t'as pas de problème, t'es un sociopathe. Ah, c'est vrai, personne n'a demandé. Ah, c'est vrai. Brandon, c'est vrai que déjà, c'est vrai que t'es un peu sociopathe, même si c'est vrai qu'on s'en branle un peu, on va pas mytho. Voilà, quelqu'un va lui dire, oh non, sérieusement, il répond pas. Non, mais ça c'est hypocrite. Vous êtes méchant avec Nova. Non, toi t'es hypocrite. Toi t'es hypocrite par contre. Mais les bleus, vous êtes vraiment une classe de merde. Mais Bobby, on vient de te dire qu'il faut travailler ensemble. C'est pour ça que je t'ai dit de fermer ta gueule, Bobby, tout à l'heure. Parce que si tu parles et tu lui réponds pas et tu dis que c'est nous les bâtards. Putain,
Voilà, mais tu vois, Bobby, si tu veux. Regarde, Bobby, on n'est pas égoïste. C'était sûr. Alors, on n'est pas égoïste comme toi. Regarde. Alors qu'il y a deux secondes, t'as dit que tu t'en battais les couilles juste parce que c'était. Parce que c'est vrai, mais parce que moi je suis. Putain de merde, je vous avais dit. Laissez-moi parler. Fallait pas parler. Moi, regarde, je sais que si j'ai une meuf, je vais pas lui parler, je m'en bats les couilles de sa vie, j'en ai rien à foutre, ok? Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai pas de meuf. Comme ça, je lui fais pas subir ça. Sauf que toi, t'es un putain d'égoïste. Et tu peux pas passer ta vie sans avoir une meuf. Donc t'as une meuf et tu lui réponds pas, tu lui parles pas et t'agis n'importe comment. Non, et du coup, bah non. Tu causes du tort. Moi, je pense surtout, je pense surtout que un couple, c'est à deux. S'il y a des problèmes, c'est à deux et que vous devriez aller dans un coin et en discuter à deux. Pas devant moi. C'est pour ça que t'as ramené tout le monde, Clétus, pour nous écouter derrière le billard. Alors là, pas du tout, ils sont venus d'eux-mêmes. Ah, il y a des gens derrière le billard. Quoi ? Mais ouais, non, mais c'est quoi le bordel ? Bon, Brandon, viens voir deux minutes, s'il te plaît. Du coup, blague à part, vous devriez parler ensemble, voilà, tous les deux. Là, vas-y, parlez. Amoureux, là. Allez au parc. J'emmerde avec leurs embrouilles. Vas-y. Écoute-moi bien, mon petit dragibus. Oh putain. Attends, Clétus, s'il te plaît, tu peux. 5 minutes. T'inquiète. Bon. Vas-y. Quoi, tu veux que je mette la radio, c'est ça? Non, vas-y, je m'en bats les couilles. Hey, la radio, je vais la revendre, bande de bâtards. Je vais me faire 10 balles dessus et je vais être très content. Hey, maintenant, ce que je vais te dire. La radio, putain, c'est ma plus grosse déception. La tête de ma mère, c'est ma plus grosse déception. Me parle pas de ça, ça me dégoûte. Parce que vraiment, franchement, on aurait pu faire des trucs de fou. Mais vas-y, tranquille. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Vas-y, carré, c'est pas grave. Mais me parle plus de cette radio parce que vous allez me chauffer de fou. N'utilise plus le mot radio, c'est banni. C'est quoi cette histoire-là de livres rouges? Comment tu sais ça, toi? Brandon, t'as dit que tu nous cachais plus des bails. Non, moi, je cache rien. Mais moi, je cache rien. Je l'ai pas trouvé, le livre rouge. Non, je pensais l'avoir trouvé. Et quand je l'ai ramené au concierge, il m'a dit que c'était pas ça. Parce qu'il cherche un livre rouge avec une tête dessus. T'as des informations sur ça? Alors, donc, il y a deux livres. Moi, j'ai d'autres informations, Brandon. Je vais pas te mytho, j'ai d'autres infos. Par contre, je viens tout te donner. Hein. Non, il y a d'autres choses que t'as cachées. Quoi? Le rituel. Ah, mais le rituel, c'était au Japon. T'as réussi à le faire ou pas? Non, impossible. Ok, moi, je vais. Tu sais quoi, je vais dire. Je t'en supplie. Ça, ne nous trahis pas, Brandon. D'accord? Vas-y, vraiment, je te le dis. Parce que le Amin, il veut foutre sa merde. J'ai trouvé tous les pieds. Je suis là pour vous aider. Ok, donc tu vois. Attends, Kirby, 2 minutes, s'il te plaît. Laisse-nous 2 minutes, je t'en supplie. Quoi, je vous écoute? Non, laisse-nous 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Vous êtes en embrouille? Ouais, on règle ça et. On est en train de se régler entre homme à homme. Voilà, s'il te plaît. On peut pas laisser quelqu'un interférer. Mais t'as dit homme à homme, c'est un homme aussi, cousin. Bref, écoute. Hein? Bah, elle veut changer, t'as vu? Bah, c'est pas grave. Ah, je savais pas. Non, mais carré, elle a plus de pec que toi, hein, oublie pas. C'est pas un problème, ça. Non, c'est carré. Tu sais qu'en 2 mois à la salle, tu peux avoir des... Je t'en supplie, tu peux... Non, mais j'ai vu des vidéos sur ça. Vas-y, tu me raconteras les tutos de Thibaut plus tard. Vas-y, ok. Tu vois, il y a un gars, il a des lunettes à vision thermique. C'est pour ça qu'il faut couper le courant chez le concierge. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on pourra voir qu'avec les lunettes de vision thermique. Et pire encore, Amine, ce gros bâtard là, qui continue avec sa queue de rat là, qu'il a derrière le crâne, il continue de mettre tout le monde à dos, d'accord, à nous détester et tout. Et lui, il a péta un levénard. Et apparemment, ça permet... Ça, un levénard. Levénard, le Pokémon de type chance trouvable dans la route 26. Ah, pardon. Oui, mais quel rapport? Ben, ça... Quand tu l'as, ça te protège des attaques. Tu comprends quoi? Il a trouvé un levénard. Qui te protège? Écoute, je sais que c'est pas facile à comprendre, mais en même temps, on voit des grimmings avec des couteaux. Il a trouvé quoi? Une amulette, un truc comme ça? Non, un Pokémon, frère. C'est pas facile à entendre, je sais. Mais il faut faire un effort d'ouverture. Hey, il y a bien des grimmings avec des couteaux. Bon, bah, tu peux bien comprendre c'est bon. Il a pété un levénard, et apparemment, ça protège des attaques de loups-garous. De je sais pas quoi là. Tu te souviens de ce qu'on a vu ou pas dans le couloir quand on s'est fait téléporter et qu'il a dit « Ouais, c'est que du virtuel, faites pas attention, le prof de théâtre. » Ouais, mais c'était un zombie, c'était un alien zombie. Bah voilà, bah ça protège de ça. Et attends, dernier petit truc, le prof de théâtre, il fait v'là les sous-entendus en mode le man, il a 1000 ans. Avec son gigantesque coup de fils de pute, tu vois ou pas ce que je veux dire? Qui a 1000 ans, le monstre Non, le prof de théâtre. Le vénard. Le prof de théâtre. Brandon. Ah, lui, il a 1000 ans, c'est sûr. Moi, je soupçonne le prof de théâtre de se transformer en animaux aussi. Voilà, bah c'est ça. Donc voilà. Et les lunettes de vision thermique, il n'y en a qu'une qui traîne dans l'établissement. C'est qui l'a eu? Il n'y en a qu'une qui traîne. Ouais, mais ça va être un autre problème. C'est que la personne qui l'a eu, tu le détestes et il te déteste. C'est Clitoris. Clitoris, là, le jaune. La tête carrée, là? Ils ont tous. Pour moi, vous avez tous une teuté de fou. Non, mais celui qui a une coupe carrée? Non, Clitoris, celui... Cheveux rouges? Ouais.
Mais non, mais lui, je l'aime bien, lui. C'est lui qui était là avec nous. Ouais, ouais, voilà, voilà, carré. Ouais, 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 bah oui, c'est bon, lui, il me déteste pas. Ok, ok, bah c'est lui. Mais par contre, Brandon, attends, 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 parce que là, avec tout ce que je viens de te donner, vas-y, fais pas des trucs sans prévenir, juste. C'est tout ce que je te demande. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je t'ai dit, à chaque fois, je cherche les infos. Le livre rouge, je savais, mais je l'ai pas trouvé. Le Amine, on en fait quoi là? On s'en occupe ou pas? En vrai? Je vais voir avec lui, je vais essayer de lui. Non, mais y'a rien à parler avec lui, il dit n'importe quoi. T'avais raison, j'ai plaqué Bobby et je lui ai mis mon pain dans la gueule. Oh putain, t'en as mis un deuxième pour moi ou pas? Vas-y, faut qu'on aille en rond. Non, j'en ai mis. De quoi, t'as dit quoi, cousine? Oh putain, et Kirby, elle va encore me faire la gueule. Non, c'est bon, c'est bon. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.